En mai 2022, les assemblées annuelles de la BAD mettront l'accent sur l'impact du changement climatique en Afrique et sur la nécessité d'une transition énergétique équitable, a annoncé Vincent Nmeuyel. Une conférence de presse en ligne rassemblant les journalistes désireux d'en savoir plus sur l'agenda des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, BAD, qui se dérouleront du 23 au 27 mai 2022 à Accra, au Ghana, a eu lieu mercredi 20 avril 2022. Partage d'expérience pour la première fois depuis 2019, nombreux sont les délégués qui pourront, cette année encore, se rencontrer les uns les autres aux assemblées, la 57e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement et la 48e du Fonds africain de développement. Lire aussi: la Banque africaine de développement sensibilise à l'utilisation prudente et efficace des fonds Covid. Le thème, favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique, entend offrir aux gouverneurs de la banque un cadre où partager leurs expériences et leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique, ainsi que les politiques et les mesures prises pour y faire face, a expliqué Vincent Nmeuyel, son secrétaire général. Les assemblées annuelles offriront aux gouverneurs de la banque un cadre où partager leurs expériences et leurs engagements en matière de lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. Les gouvernements pourront montrer ce que font leurs pays respectifs en ce domaine, a ajouté le secrétaire général. Conférence des Nations: la commémoration du 50e anniversaire du Fonds africain de développement, l'instrument de prêt concessionnel du groupe de la banque, sera l'un des temps forts de cette édition. Les assemblées annuelles 2022 seront aussi comme le prélude de la conférence 2022 des Nations Unies sur le changement climatique, dite COP27 et qualifiée de COP africaine. Les assemblées annuelles 2022 seront aussi comme le prélude de la conférence 2022 des Nations Unies sur le changement climatique, dite COP27 et qualifiée de COP africaine, car prévue en Égypte, au mois de novembre. Les gouvernements africains y défendront une nouvelle fois les positions du continent en matière de lutte contre le changement climatique.